Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Voilà la leçon 8, l'impact de la dîme. Vous savez sûrement que ceux qui sont en fonction dans le temple reçoivent leur nourriture du temple et que ceux qui présentent les sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette activité. Au Corinthiens 9, les versets 13 et 14. Se donner tout entier. Lisons Luc 21, les versets 1 à 4. Luc 21, les versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Jennifer, une maman célibataire, avait une petite fille de 2 ans du nom de Mia. Elle travaillait dans une épicerie locale d'une petite ville du Kansas. Qu'est-ce que l'argent était dur à gagner? Après avoir payé le loyer et acheté la nourriture, il ne lui restait pas assez d'argent pour faire le plein essence. Comment résoudre ce problème? Comme l'église était non loin de chez elle, elle s'y rendait à pied le sabbat avec Mia pour participer à l'école du sabbat et au culte. Un sabbat, au moment de l'offrande, pendant le culte, on lança un appel à la générosité. Des frères et sœurs africains avaient besoin d'argent pour construire une église dans leur village. Interpellée, Jennifer prit à ce sujet, puis ouvrit sa Bible à Luc 21, versets 1 à 4. Elle n'arrivait pas à croire ce que la pauvre veuve avait fait. Quel exemple de renoncement! Jennifer se souvint que le pasteur avait parlé de la dîme dans ses sermons. La dîme? Comment pourrait-elle se le permettre? Elle avait à peine de quoi manger. Seigneur, dit-elle, je te demande de me donner la foi. Aujourd'hui, je vais donner la dîme avec l'argent de mon épicerie. Je t'en prie, aide-moi à trouver un moyen d'acheter de quoi manger et de payer mon essence. Amen. Ce sabbat-là, Jennifer donna sa dîme à Dieu. Ses poches étaient vides maintenant. Mais le lundi suivant, elle reçut un appel de son employeur. Il lui offrait un poste de gestionnaire. Du coup, son salaire passa à plus du double, de sorte qu'elle eut de quoi payer la nourriture, l'essence et puis même faire des économies. Êtes-vous dans la même situation que Jennifer? Avez-vous le sentiment qu'en donnant la dîme, vous avez tout donné? Craignez-vous de ne pouvoir suffire à vos besoins en payant le dixième de votre revenu? Que veut réellement dire payer sa dîme et quel en est le but? Comment Dieu vous bénira-t-il en retour et en quoi la foi est-elle concernée? Dans la leçon de cette semaine, nous découvrirons l'objectif de la dîme, ce qu'est sa mission, ce qu'est la maison du trésor et le rapport entre la dîme et le salut par la foi. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.